Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Je suis le prophète des nations, le prophète en Josaphat, serviteur devant l'Éternel. Et avant de commencer à parler, j'aimerais vous dire de partager cette vidéo, de faire vraiment la large diffusion de cette vidéo. Parce que les paroles qui vont sortir de ma bouche maintenant sont des paroles très, très importantes. Écoutez-moi. Jérémie chapitre 28, à partir du verset 8 au verset 9, la Bible dit: on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties, mais par l'accomplissement de ses prophéties, on le reconnaît. Et Jésus-Christ a eu l'accroissement de son nom par l'accomplissement de ses prophéties. On va lire un texte afin que vous puissiez comprendre. Écoutez-moi attentivement et lisons ce texte pour la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 3. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous les yeux, pars en leur présence, pars sous les yeux. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Dieu m'a donné une vision et dans cette vision-là, j'ai vu le monde. Vous savez, en tant que prophète des nations, Dieu me fait la grâce de voir dans le monde spirituel. Et j'ai eu une vision et dans la vision, je voyais le monde et je voyais quelque chose se manifester. Et j'ai dit gloire à Dieu. Ce que j'ai vu un accord se manifester entre l'Ukraine, la Russie, entre la Russie et l'Union européenne. La Russie aura des accords qui vont se manifester entre l'Union européenne et la Russie. La Russie va avoir des accords et il y aura un grand temps d'accalmie qui va se manifester par la grâce de Dieu. Mais par la suite, j'ai vu quelque chose de terrible se manifester au niveau de l'Europe. Quelque chose de vraiment, vraiment terrible. Et j'ai vu comme un tiers de l'Europe en train d'être détruit et brisé. Paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Et je donne ces paroles afin que nous puissions commencer à prier et intercéder. Avant que les situations n'arrivent, Dieu nous permet de pouvoir connaître les situations parce que nous sommes des esprits sur cette terre. Afin que nous puissions sonner de l'alarme, que nous puissions prévenir. J'aimerais dire aux enfants de Dieu de commencer à prier. Parce qu'après l'accord entre la Russie et l'Union européenne, après cet accord, il y aura quelque chose de bizarre qui va se manifester. Un tiers de l'Europe sera touché et ça sera très très dangereux. Tu m'entends et tu me suis. Commence à intercéder, à prier par rapport à cela. Je vous ai toujours dit, nous sommes des intercesseurs et notre prière, notre bouche a de l'efficacité. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Partagez ce live, partagez cette vidéo au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous dis shalom. Cette vidéo a été réalisée grâce aux contributions de nos partenaires. L'Église Sainteté de l'Éternel souhaite remercier solennellement toutes les personnes qui ont décidé de soutenir cette œuvre afin de propager l'Évangile et de promouvoir la gloire de Dieu sur la sphère internationale. Merci de partager notre vidéo, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Pour toute information, pour tout sujet de prière, merci de contacter le numéro Matchmaker plus 33 753 86 60 34 ou le numéro de la caravane prophétique au plus 33 753 14 51 12 ou au numéro de Maman Déborah plus 225 05 44 13 85 85 ou finalement le numéro du secrétariat en Afrique plus 225 07 02 75 66 28. Je vous donne 30 rendez-vous tous les dimanches lors de nos cultes domiciliaires au 93 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil, de 16h30 à 19h30 avec le prophète en Josaphat pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.